Chaque semaine, Pio, dans le Before, Kevin Raisy passe les invités au scanner. Kevin Raisy. Kevin Raisy, l'Américain. Alors, je te cacherai pas que c'était chaud de te scanner parce que t'es pas du tout réseaux sociaux. D'ailleurs, ton dernier post Facebook, c'était celui-ci où tu dis « Je reviens sur la machine informatique pour contrer les faux marmailles. Ces derniers usurpent un max et c'est méta des plaços. » Donc en fait, vu le vocabulaire employé, je crois que ce post a dû être écrit en 95. C'est forcément... Il y a marqué Beko, juste en fait. Beko, c'est chic. C'était classe, c'était classe. Mais même ton look sur certaines photos que j'ai trouvées, ça pourrait nous faire croire que t'es resté dans les années 90. Ouais. Regarde ce que j'ai trouvé. Là, on dirait là, on dirait Lorenzo Marmaille dans Le Revers, en fait. D'ailleurs, ainsi paraît, t'es en collab en moto. Donc, je vais te faire un petit test. On va lui faire écouter des moteurs, il va devoir deviner le modèle. Très bien. On commence, premier moteur. Ah, ça, je dirais que ça, c'est un 4 cylindres. Hein. C'est probablement une, je dirais un GSX-R1000 ou un CBR1000 avec une ligne Yoshimura préparée. Bravo, bonne réponse. C'est ça. Qu'est-ce qu'il est fort. Attention, deuxième moto. Ça, c'est une Ducati, c'est la même qu'il y avait dans Matrix. Je ne sais pas si une 748 ou une 900, peut-être une 998. Oh. Rodage, je dirais rodage. Bonne réponse, Il est très, très fort, c'est impressionnant. Attention, celle-ci, il y a un piège, troisième moto. Ça, c'est un piège. Ça, c'est pas une moto, ça, c'est raclement de gorge Gérard Damon. Hein. Oh, bonne réponse. Merci le public et même les uns les autres. Kevin Raisy. Bravo Pio Marmaille. Merci beaucoup. Bah, c'est les années d'oreille, hein. c'est beaucoup de boulot quoi. La prochaine fois, il reconnaîtra le bruit d'un camion à saucisse autrichienne.